La Grande Plage, donc on a la fourniture et la signature des desserts, en l'occurrence bien sûr les glaces, les sorbets, crème glacée, coupe, tout ce qui peut rafraîchir et apporter de la gourmandise. Et ce soir c'est assez particulier puisqu'une fois par mois, je coordonne les chefs invités qui pour réaliser un menu à quatre mains. Ce soir donc c'est Franck Séguré du Clos d'Hélice, maître cuisinier de France et champion de France du dessert. Le mois prochain, on aura Cyril Antrazik, Domon d'Aubrac, un étoilé Michelin. Le mois d'après, c'est Michel Kaiser, restaurant Alexandre à Garon. Début septembre, ce sera Charles Fontès, qu'on connaît tous très bien ici en local, puisqu'il y a la réserve Rimbaud. Alors, ce sera une fois par mois, on va recevoir des grands chefs pour un peu mettre en valeur notre plage autour de menus gastronomiques. On découvre de nouvelles cuisines, à chaque fois un chef qui a son caractère et sa façon de travailler. Gérard m'a proposé de venir participer à cette soirée pour faire un menu gastronomique, pour faire plaisir à ce joli endroit, et donc on est venu pour le plaisir. C'est un cadre magnifique, tout est éphémère et on est comme dans un restaurant 4 étoiles, quoi. C'est superbe. Ah oui, tous les jours. Je fais ça tous les jours si vous voulez. Bah, c'est le concept bohème. Voilà, on est vraiment sur la détente, on est axé un petit peu plus... Voilà, relax, les gens viennent comme ils sont et ils profitent des soirées, de la journée, autour d'un verre. Et une fois par mois, vous faites un repas gastronomique. C'est assez unique dans une plage privée, finalement, manger gastro dans une paillote. Exactement, c'est ce qu'on voulait faire. On a Gérard Cabiron, qui est meilleur ouvrier de France, qui fait partie des associés de la plage. Et du coup, c'est lui qui nous a proposé cette idée-là, voilà, de pouvoir réunir une fois par mois un chef invité, donc la plupart du temps un étoilé de la région, et qui viennent proposer un menu, un dîner à quatre mains.